Vraiment qu'une pauvre merde. Je t'avais fait son les Ray-Ban là aussi. C'est lui? Ouais, sûrement. Vas-y, on l'embarque. C'est pourquoi t'es là? Non, non, évidemment. Tu t'appelles comment? Tu peux me le dire. Bon. Bien, 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 bien. Tu sais, quand j'étais petit, ma mère me préparait souvent une soupe. Au basilic. J'adorais ça. Avec le recul, c'est peut-être la seule marque d'affection qu'a daigné m'accorder ma mère. Et toi, ça tu me fais un peu penser, non pas à ma mère, hein, mais au basilic. Au basilic en lui-même. À la plante. Et je pense que je vais te cuisiner pareil. Voilà, ce sera ton petit nom, ça te plaît? Et moi, c'est Monsieur Arthur. Eh bien, tout à l'heure, basilic. Aidez-moi! Au secours! Eh ben mon petit basilic, t'es tombé par terre. Oh, navrant. Bon, j'ai un copain à moi là qui va passer. T'as intérêt d'être très 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 sage. Hein? Hein? Arrête de gueuler, putain, je t'en prie. Et je gueule pas! Qu'est-ce qu'il fout par terre, lui? Bon, je veux pas le savoir. L'éclairage est mauvais, donc j'ai amené de quoi le maquiller. Tu t'en occupes, moi je vais chercher la caméra. Pourquoi moi? Je vais chercher la caméra là. Allez, je suis acteur là, bordel, je suis pas maquilleuse! Ouais, bah j'en ai rien à foutre! Ok, c'est bon. Tout est prêt. Perchiste. Bon. Arthur, c'est bon, c'est quand tu veux. Bonjour Monsieur Ruben, suite à votre demande, nous allons torturer puis exécuter cette personne que nous avons appelée Basilic puisque ni vous ni lui n'a tenu à donner son prénom. Je m'appelle Aurélien, putain, vous me voulez quoi à la fin? Je le connais pas votre connard Ruben là!
te la fais? Tu te la fais? Hein? Putain, putain. Oh. Tu fais quoi là? Il se joue de moi, ce petit con. Il sait que je pars en quart de tour, là, ça m'énerve. Ouais. Mais je crois que même le débile que j'ai engagé pour faire le perchiste a compris où était le problème. C'est quoi le problème dans cette scène? On voit pas Vasilik à la caméra. Non. Putain, j'ai l'impression d'être entouré de gogoles. Arthur, le problème, c'est que ça doit durer minimum 30 minutes. Ça doit pas durer 10 secondes sous prétexte que t'as pété ton petit câble. Alors on reprend, là, vite. Vite, vite, on reprend. Vite, parce que ça me saoule, là. C'est toujours comme ça, ça m'énerve. Regarde. Celui-ci, je l'ai donné à bouffer à des bergers allemands que j'avais affamés pendant 3 semaines. Il était encore vivant quand la photo a été prise. Regarde ses yeux. Celui-là, je lui ai arraché tous ses membres et je l'ai laissé crever par terre. Là encore sur la photo, il était vivant. Regarde ses yeux. Lui, je l'avais bourré de morphine et je l'ai obligé à regarder l'arrachage de sa photo. Putain, coupez, coupez, tu sors. On se passera tôt aujourd'hui, je veux le faire, moi. Maintenant, nous allons passer à la scène. Du marteau et des clous. Attends. Ce que t'as subi? Non. Moi, je vais te montrer pourquoi je suis là, maintenant. Je vais te montrer tout mon art. Ce que je t'ai fait, là... Même l'idiot de perchiste aurait pu le faire à ma place. J'aimerais bien qu'on arrête de me prendre par exemple à chaque fois. Oui, bonjour monsieur Ruben, alors le DVD vous a plu? Oui, non mais c'est pas possible, Arthur a tué. Bon, on est dans la merde, c'est pas le bon type. Mais comment ça, c'était pas le bon type? Bah c'était pas le bon, j'en sais rien. Putain, on est mort. Mais comment on a pu se tromper? On avait la photo, on avait tout. Oui, bah je sais pas, on s'est trompé au palais de justice. Là, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment fait une grosse connerie. Le genre de connerie dont on ne se sort pas facilement. Alors on a décidé de se faire oublier un peu. Au Canada, à Montréal, capitale du monde.